Les amis, vous connaissez ma passion pour les animateurs de télé français. Surtout ceux qui vont dans la chanson, oui, c'est la meilleure chose! Commençons par un classique, le classico que tout le monde connaît, Christophe Ondelat. Christophe Ondelat, animateur de télé sur France Télévisions, je crois, qui avait animé Faites Entrer l'Accusé et le JT pendant des années, et qui nous livre en septembre 2011 son premier album, intitulé Ou pas, et son cultissime... Dr House, ce n'est pas Mickey Mouse, ce qui n'est pas une connerie hein, en soi, c'est deux personnages vraiment, vraiment différents. Écrire une chanson, ouais, faire rimer House, Dr House et Mickey Mouse, c'est pas complètement idiot en soi. Allez, Christophe nous offre donc un album jazz de 12 chansons qui musicalement n'est pas dégueu. Musicalement, on a franchement des bons titres. Le souci va vraiment venir des textes qui sont... Bon, l'album se fait littéralement défoncer par la critique, ce qui a rendu notre Christophe un petit peu... J'offre ce disque pour les raisons qui... Bon, allez, on va faire un truc. Je vais vous offrir votre premier départ de la saison. Vous serez content. Mais vous non, fidèle à ma réputation. Non, ce numéro... Bon, après, il a fait ça sans prétention, il a fait ça avec le cœur. Et ça avant tout ce qui compte, non. Deuxième animateur qui s'est lancé dans la chanson, Philippe Risoli. Pour les plus jeunes qui regardent cette vidéo, Philippe Risoli, c'était un mec qui animait Le Millionnaire. C'était une émission où tu tournais une roue et tu pouvais gagner un putain de million d'euros. Il était aussi vachement connu pour jeter son micro en l'air. Ce qui est une faculté. Nous sommes en 2001 et il sort son album Autrement avec son cultissime Cuit. Tasse les bananas. Et mais t'as les boules, pas la frite. T'as les abeilles, elles sont cuites. Les bananas, découpées en dos. Les patatos. Ma foi, tube assez dansant, tube assez festif, mais vous allez me dire, de quoi foutre parle-t-il? Dans une interview, l'intéressé répond, je cite, « J'ai écrit les paroles et la musique des bananas le soir de l'arrêt du millionnaire. » D'où l'allusion aux potatoes, les sans-patates. Le t'as les boules, pas la frite, t'as les abeilles, est relatif au petit coup de blues que j'ai ressenti le soir de l'arrêt de cette émission, pour laquelle j'avais beaucoup d'affection. Et le regret de quitter une équipe avec laquelle je travaillais depuis 10 ans. Et mais t'as les boules. Bordel, c'est festif et en fait non, c'est triste. Bon, je vous laisse découvrir l'album qui est pour moi une vraie pépite. On passe tout de suite au troisième animateur qui est mon préféré, Bernard Montiel. Bernard Montiel qui est maintenant chroniqueur dans Touche pas à mon poste et qui était animateur vedette sur TF1 dans les années 90 et 2000 pour avoir notamment présenté Vidéo Gag, une sorte de vieux zap de spion. Et Bernard a lui aussi chanté pour notre plus grand bonheur. En 1989, il sort le titre absolument fou. Oh là là, quel titre! On s'écoute un extrait. Et que je sois absolument fou. C'est une chanson qui parle d'amour, et oui les amis, dans le premier couplet, Bernard nous dit, musique romantique, « Je me cogne la tête contre des murmures, pour des yeux de loup de velours, des cils qui s'emballent et se balancent en Betty Boop pour faire la cour. » Gros lover va. Et franchement, la voix est pas dégueu, je trouve que ça passe vraiment, le gars chante plutôt bien. Voilà, petite chanson d'amour au calme, Bernard, on t'embrasse. Julien Le Perse, ah oui, le jeu. Ah oui, le jeu. Ah oui, je me suis mis aussi à la chanson, ah oui. Faut savoir qu'avant Question pour un champion, le mec était déjà archi connu pour avoir été auteur-compositeur. Il a notamment écrit ça. Pour le plaisir, pour le temps, de temps en temps. Et en 79, il a sorti ça. On a tous au cœur des souvenirs. Musicalement, encore une fois, on est sur quelque chose de pas trop dégueu, hein, je trouve. La mélodie est catchy, l'arrangement est plutôt cool. Bon, après, la voix, on est sur un autre Dell. Mention spéciale quand même pour le clip et le côté abusé du rond bleu, incroyable. Ah, un petit peu plus obscur, est-ce que tu savais, mon ami, que Jean-Pierre Foucault, eh oui, Jean-Pierre Foucault a fait de la chanson. En 1971, sort Beaucoup d'amis, un seul amour. Tiens donc, on serait pas sur une thématique de l'amour et de l'amitié? Bah si, mon JP, on n'est pas original! Morceau interprété par Jean-Pierre Foucault et Mimi Filippacci, et composé étonnamment par Eric Chardin, qu'on connaît de Stone et Chardin. Et c'est pas son dernier mot, mon Jean-Pierre. Nous sommes en 78, c'est la Coupe du Monde de foot, et comme toute Coupe du Monde, il nous faut notre petit ramener la coupe à la maison. Et qui c'est qu'on appelle? Mon Jean-Pierre. Allez la France, allez.
On a fini 7ème. C'est pas ouf. Dernier animateur-chanteur dont je vais parler, et celui-ci, il est... Nous sommes en 1995, un très beau jeune homme naissait, et Jean-Luc Reichmann, oui, Jean-Luc Reichmann, nous sort un single de reggae. Oui, oui, du reggae. Et là, vous me direz, mais non, Théo, Jean-Luc, il est avec ses easy potes, il pose des questions. Et des questions. Mais il peut pas faire du reggae, ce n'est pas possible. Bah, tout ça, c'était bien beau, mais on était dans l'Ardèche. C'est alors qu'on a eu l'idée de s'installer dans la douche. Vêtu de peau de bête, on avait un sacré look. Même si parfois on s'acharnait à traire le bouc. On a les codes du reggae, on a un Jean-Luc qui a un flow assez rapide et qui chante plutôt pas mal. On a un refrain entêtant, catchy, avec des choristes. Et on a un solo de guitare. Franchement, c'est cool. Franchement, ça s'écoute premier degré. Hein. Rayon herbe de Provence, nous, on se décarcassait. J'ai même vu un jour votre père mettre du thym dans le tarpé. Écoutez, je crois qu'on a affaire à un génie. On va se quitter sur Ragababa. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous avez kiffé la vidéo. On va se quitter là-dessus. Merci Jean-Luc.